il y a 3 ans, était en Ligue 2. Ouah, c'est que du bon. C'est frisson, on joue contre Arsenal, ça va être compliqué, mais on va y arriver. La dernière fois, c'était le 26 octobre 2022. Lens Milan AC, on les a tapés 2-1. Et ce soir, on a fait Arsenal. Il y a 21 ans, entre Lens et Milan aujourd'hui, c'est Lens Arsenal dans ce stade Bollard qui a été incandescent. J'ai vécu la Youth League. Les remplacements. Voilà. Ah, Lens, c'est les meilleurs. Mais ça, c'est des branleurs. C'est énorme. C'est énorme ce qu'on a vécu ce soir. Vous allez voir l'ambiance durant toute la soirée. Tout le monde était chaud. On était en Youth League également. Ça a retrouvé sur TikTok également. Donc allez-y si vous n'avez pas vu ça. La Youth League. Et puis sinon, sur Insta, sur cette chaîne, on s'abonne. On est parti ensemble pour lui. Grand match. C'était comment le match? Génial. Exceptionnel. Incroyable. Exceptionnel. Historique. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les gars, vous êtes chauds pour ce match? Carrément. Bien sûr. Carrément qu'on est chaud. On l'attend celle-là. On est en route pour la tribune, ça a été assez tendu autour du stade depuis qu'on est arrivé. Forcément, il y avait des supporters anglais qui étaient là pour se battre, donc ça s'est battu un peu. Ouais. Merci beaucoup. Là, t'as dit tout. Les gars, oui, vous êtes sûr, représente, bien sûr. Eh oui. Eh, ça va être la fête. La fête, la folie. On est là pour gagner. Ouais. Si on perd, le principal, il y a 3 ans, était en Ligue 2. Pouah, c'est que du bonheur. C'est la Ligue des Champions, ouais. Hein ouais. La première en Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. La première pour lui. Hein. La première pour lui, toi t'étais là? À 40 ans, ouais, j'ai 40 ans pendant Panathinaikos, but de Gemma. Je me souviens. À la base. C'est les souvenirs. C'est allez, les souvenirs. Profitez. Merci bien, beaucoup, salut tout le monde. Allez, il faut liker les gars. Merci, c'est le meilleur. Merci les gars. Merci. Ouais, ça va? La forme? Tu dis un petit mot? Ça filme là. Bonjour, allez Lance. Ouais, merci. Bonjour, je t'interromps, mais c'est génial. Tout le monde se croise ici. C'est vraiment ce public, cette ferveur, ces gens sont super. Sympa, là on va arriver à la tribune et on va rentrer à l'intérieur de ce stade Bollard. On se retrouve à l'intérieur, entre Anna, on risque d'être serré puisque le parquage aujourd'hui anglais fait 1800 places contre 1000 en Ligue 1, 800 places ont été ajoutées pour les supporters anglais pour se conformer aux normes de la Ligue des Champions, 5% pour les visiteurs. Allez, on se retrouve à l'intérieur. On est proche des escaliers de la Trana. On est rentré, je suis avec Virgil, supporter du Racing. Et ouais, à fond. Ce soir, hein, pour la Ligue des Champions, c'est la première, Virgil. Ah ouais, bah oui, hein. Évidemment, c'est super, c'est exceptionnel. Je suis super content d'être là et je suis hyper excité, je tremble, voilà. Ah ouais, qu'est-ce que tu ressens là depuis ce matin, que tu as été à l'école, j'imagine? Ouais, c'est des frissons, j'ai mis le maillot, hein, forcément. Bah oui. C'est des frissons, on joue contre Arsenal, ça va être compliqué, mais on va y arriver. C'est les matchs qu'on a l'habitude de jouer quand on joue sur la console. Ouais, c'est ça. Mais là, cette fois-ci, c'est ici, à Bollard. Ouais, c'est ça, c'est à Bollard. Voilà, c'est exceptionnel, c'est fou. Je vois que t'as des étoiles dans les yeux, ouais. On va espérer un bon résultat, mais dans tous les cas, la fête, elle va être grande. Ouais, c'est ça, elle c'est va ça. Être ouais, et un petit chrono pour le match, hein, ou je dirais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Je vois un petit 2-1 ou 2-2, je sais pas. 2-1 ou 2-2, ça marche. Bah, bon match à toi, bienvenue. Ouais, merci, salut. Bon match, merci. Là-bas sur le côté anglais, c'est là. Juste là, les joueurs vont pas tarder à arriver sur la pelouse. Déjà, les gardiens sont là. Et les tribunes aussi, comme l'année dernière, c'est debout. Mais cette fois-ci, ils ont enlevé les sièges. On a tout pour se régaler ici dans cette tribune debout. Yeah.
deuxième journée de Ligue des Champions. On est en octobre 2023, le 3 octobre 2023. Hey, Gabriel Jesus. T'entends pas? 14e minute de jeu, ouverture du score sur une erreur de relance de Lensois. C'est Gabriel Jesus qui pousse directement. Une erreur, un but. Arsenal qui est devant au score. Allez, 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 allez
pour Arsenal, juste avant la mi-temps d'un entrée en traditionnel, comme vous l'avez entendu. Et là, on a au ballon Trossard et Odegaard. Ça joue rapidement. Marcin Odegaard. Devant le but. Ici à Bollard, on va essayer de trouver un ou deux supporters, et on se retrouve sinon au retour des vestiaires, ici un partout entre Arsenal et le Racing Club de Lens. Comme j'ai dit, j'ai un mi-temps, je suis avec des supporters. Les gars, vous avez ressenti quoi sur le but de Thomas? On est deux rangs en dessous et on est ressenti ça entre tous les deux. C'est indescriptible. Il n'y a aucun mot pour le but de Thomas en Ligue des Champions. Et là, vous êtes en train de vivre quoi là avec la Ligue des Champions à Lens cette année après une saison énorme l'année dernière? C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Les émotions qu'on ressent sont incroyables. C'est la folie, c'est Lens. Les gars, vous voulez passer un petit mot, je crois, pour votre club? Le Jeunet. Le casse à le Jeunet. Voilà, c'est tout le Jeunet, tout le Jeunet, on est ensemble. Voilà, je passe en Coupe de France. Voilà, premier tour de Coupe de France, c'est tout. Troisième. Voilà, la Coupe de France, c'est aussi sur la deux coupes. Ça sortira vendredi avec un match en Alsace. En attendant, on vit ici le match de Ligue des Champions. Et voilà, le message est passé. On se retrouve pour les cours. Trossard dans la surface. Oh là là, c'est un miracle. Oh là 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 là. C'est l'heure de jeu ici, toujours un partout. Le match est assez équilibré. Pour l'instant, même si Arsenal est bien plus précis dans ses passes. Lance tient bon. Et Lance pour l'instant. Pour ce point de vue. Oh, le duel dans Soresu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et Danso qui prend pour le moment le dessus. Odegaard au corner. Tout seul et Samba, son pied lui aussi était tout seul pour se retrouver dans la Racing Club de Lens. Mais là Arsenal est dans un temps fort avec Odegaard, Ressus, Tomiyasu qui propose Ressus qui essaie de passer. Quel tacle match aller sur ça. Et la tête de Gabriel, c'est Samba qui la prend, toujours un partout. Frankowski dans l'action et oui. Premier but en musique, 3 minutes de temps.
changement pour eux. Remplacé dans le numéro 11, Angelo Fulgini. Number 11, Angelo Fulgini. Du jour Eliwahi, on a mis du sang d'infalance, on va retenir et pourquoi pas en mettre un plus, hein. Et l'on s'en attaque toujours 2-1, 74e minute de jeu. On est parti pour un tour du décharpe, ici, avec les cons. Ici, on rappelle qu'Arsenal n'a pas perdu en phase de groupe depuis 9 matchs, 5 victoires, 2 nuls. Et là, Lens, qui pour l'instant à 10 minutes près, est en train de faire tomber Arsenal. Dernière à défendre. Tout le monde est là avec la tribune Marac, s'il vous plaît. We are the best.
avec Sullivan, on a vécu devant des matchs ensemble. On est là, on a vécu ensemble. C'est incroyable, on remercie Sullivan à la maison, avec une ambiance, vous voyez, c'est incroyable, franchement, j'ai pas les mots, c'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup, merci. Merci, merci Lance. Et c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, continue. Allez, ça continue. Avec un supporter, tout le monde est prénom. Hervé, tu as accompagné Liam, quelle soirée, je suis venu te bander rien que pour ça. La dernière fois, je voulais te faire découvrir à mon fils. La dernière fois, c'était le 26 octobre 2022. Lance Milan AC, on les a tapés dehors. Et ce soir, on a fait Arsenal. Eh oui, Arsenal est tombé. Arsenal. Alors, c'est quoi la soirée? Super, incroyable, on a battu Arsenal, c'est un truc de ouf, on est premier dès la deuxième journée, c'est incroyable. C'est énorme, avec le nul du PSV, Lens le premier. Ouais, c'est incroyable, on réalise pas encore, on va le faire, et on est vraiment pas ridicule avec les champions. Vraiment pas, je repense à la Ligue 2, au barrage contre Dijon, on était là. On était tous là, et maintenant on bat Arsenal chez nous, c'est incroyable. Allez, ça continue, le derby c'est dimanche. Sortie de Bollard, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ici, si vous êtes lensois, j'ai pas vraiment de doute, et j'espère que vous avez apprécié à sa juste valeur l'ambiance de Bollard lors de ce match. Lens qui remporte ce match contre Arsenal 2-1 après avoir été mené. Wai, Thomasson, les buteurs. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram, vous aurez tout en temps réel. Sur le compte TikTok pour les matchs que je fais pas en vlog comme la Youth League qui s'est passée cet après-midi, mais Lens l'a emporté à deux reprises. Merci beaucoup, félicitations. Et voilà, c'est terminé. Ici, on se dit à très très vite dans les stades. C'est le derby la semaine prochaine. Et sinon, c'est rêve de coupe vendredi. Eh oui! Let's go! Et voilà. On l'a fait! Et oui, on l'a fait! Allez, voilà. Allez! Merci beaucoup! Et voilà, bonne soirée à tous. Vive le football et vive le Grand Derby. Ciao!